Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bick Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bick Togo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bick Togo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes élus du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlement francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire.